En fait, il va être midi, mais je suis réveillée depuis 10h30. Mes cheveux, je me suis juste fait un toc là qu'il faut que je refasse. C'est comme tout défait. Quoi? Ouais, après ça, c'est chez Saint-Denis. Ouais, à la Popessa. Tu vas aller à la Popessa au lieu de manger tes sushis? Ça fait longtemps que je peux manger. Entendez-vous, Anthony? Sûr, demain il va changer d'idée. Ok, je me suis maquillée, mais je me suis juste pas coiffée. Ça me fait rire parce que le chandail que j'ai mis aujourd'hui, comme je l'ai depuis un an, mais c'est celui que Judy a porté dans un petit vlog cette semaine. Ouais. Bien du Forever 21. Je me suis maquillée les yeux. Puis là, je vais manger parce qu'on doit s'en aller bientôt. Voilà mon repas. J'ai pas le temps de faire à manger, fait que j'ai pris un cuisine minceur là. Pis ça fout le bon en passant, fait que j'ai mangé ça. Je suis en train de dire à Anthony que j'avais l'air d'une morte, je trouve. Parce que je suis vraiment folle. Oh non, mon cheveu, il m'énerve. En tout cas. Fait que je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais on s'en va visiter la place où on va peut-être se marier. Dans le fond, nous, on va pas se marier. Oh, sérieux, ça m'énerve trop. On va pas se marier à l'église. Attendez, j'ai monté la fin. On va pas se marier à l'église parce que Anthony a pas sa première communion. Ouais, ben en fait, t'as été baptisé, puis après t'as été baptisé mormon. C'est ça? C'est ça. Fait que... Donc, désolée, ça a coupé parce que j'ai eu un appel. Donc, je sais même plus ce que je disais, mais c'est ça, on s'en va pour le mariage. On va visiter. Dans le fond, il y a deux salles, mais il y a une salle que ça serait plus pour le nombre de personnes qu'on a. On va regarder le site, mais là, c'est sûr que c'est pas placé tout beau comme c'est pendant qu'il y a les mariages. Là. Puis en plus, c'est comme l'automne, mais bon. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer ça. Je sais pas combien de temps ça va durer, puis qu'est-ce qu'on va parler tout aussi. Là. Mais bon, je vais essayer de vous partager ça. Là, on arrive, puis regardez. Je pense qu'il y a un mariage ce soir parce qu'ils ont peut-être installé la petite île. Je vais essayer de vous zoomer. Je pense qu'on a l'affaire ici, par contre. On est comme un peu perdu. Une vidéo comme ça. Je sais pas. Mon... Elle, tu l'aimes-tu, Anthony, cette salle-là? Bon, fait qu'on a seulement réservé cette salle-ci. C'est celle que je trouvais la plus belle. Comme ça. Je vais vous montrer. Ok. Il y a un mariage tantôt. Avec le foyer. Puis, j'aimais vraiment l'effet comme un peu, tu sais, rustique. Puis eux, ils ont fait comme rustique moderne, mais j'aime vraiment l'effet avec le bois comme ça. Ouais. Fait qu'on a pris cette salle-là. Je la trouve vraiment belle. Puis on peut mettre du menthe et du corail et tout, comme les lumières. Fait que c'est ça. Puis on a aussi la terrasse. Là, ils sont en train d'installer comme il y a un mariage ce soir. Puis dans le fond, pour se marier, on va se marier sur l'île. En bas, je vais vous filmer. Mais c'est fou beau. Fait que, ouais. Fait que là, c'est là qu'on va se marier. Sur, je vais essayer de zoomer. Sur l'île. Il y a des canards autour. Il y a deux petits ponts. Il y a des petites chutes. C'est vraiment beau. Puis là, comme je dis, il y a un mariage ce soir. Fait que ça, c'est la terrasse. Ils ont mis des voilages. Comme ça. C'est full beau. Ouais. Ça fait beau avec l'eau et tout. Comme vous pouvez voir un petit peu de l'autre sens. Fais sourire. On y va. Ça va être ici. On le fera là. Hein? On le fera. En avant. Où ça? Ouais. Tu n'avais pas remarqué.
Mais non, sûrement pas, non. Donc là, je suis au Tim Martin. J'ai vu une abonnée. Allô! C'est Megan. Ouais. Ah, oh, ok, attends, on va juste avancer sur le côté. Ok, on est venu chercher quelque chose, puis j'ai vu Megan. J'ai vu Megan quand je suis arrivée, mais j'ai vu qu'elle avait l'air de me reconnaître. Ouais, je vais sortir de tour. Ah! Wouh! Allô, Anthony! Bonjour. Ah, attends, je vais sortir. Tu sais, tu comprends une photo ensemble? Ouais, j'aimerais vraiment ça. Donc, comme Megan m'a appris qu'on était à Repentigny, j'ai appelé mon père, puis il est chez lui. Alors, je vais aller le voir chez lui, juste comme un petit 5-10 minutes, puis je vais montrer les trucs de mariage, là. Puis, c'est ça, parce que... Faisais juste sortir aller au Tim Hortons, ça arrive parce que on savait vraiment pas où on était où, là. Ouais, que j'étais contente de te rencontrer, Megan, puis c'était vraiment drôle de te croiser comme ça au service au volant du Tim Hortons, puis que toi tu marchais. Donc, c'est ça, là, on va aller. Mon père, dans le fond, il habite à Repentigny, là. Fait qu'on va aller voir, puis je vais montrer des trucs de mariage. Oh, c'est ça. Fait qu'on a réservé. C'est vendredi le 10. J'ai fait une tellement grosse erreur, j'ai écrit le 11 juillet. Sur Instagram, mais c'est le 10 juillet. Dans le fond, tous les samedis sont pris. Là. C'est où ça? C'est ça. Donc, c'est le vendredi. Mais c'est le fun parce que, supposons, le vendredi, quand tu loues le samedi, ben, t'as des frais. Puis là, on n'a pas de frais parce que c'est un vendredi. Puis c'est le fun. Ça va être beau. Ça va être beau. Ouais. Puis le style du mariage, ça va être. T'as des frais. C'est normalement. Ben oui. C'est ça. Normalement, il n'y a plus pour la salle, mais seulement le vendredi. Ouais. Comme le jeudi, tu vas payer le prix. Ouais. Que le vendredi, il n'y a pas de prix. Puis le style, ça va être rustique, chic. Ça va être mon style pour le mariage. Puis nos couleurs, c'est le menthe et le corail. Et le bois. Ouais. Ben, bois étant un matériel, là, en plus. Bon. Vous comprenez. Vous comprenez. On est au Subway. Puis j'ai pris un poulet teriyaki. Juste laitue, oignon, là. Sauce oignon doux. Anthony aussi, petit teriyaki. Anthony! Il s'est mis du petit spray dans les cheveux aujourd'hui. Anthony! Tu as donné un bec au tabac. Pas donné un bec. Ok, je voulais juste comme pas reparler de la journée sérieux, là, mais là, je m'en vais dans la douche. Il est full tard, là. En tout cas. Anthony, il est dans, chez sa sœur avec ses frères. Moi, je suis restée ici. Puis, c'est ça, là. Fait qu'on est content d'avoir trouvé la place pour se marier. On a réservé, c'est ça, pour le vendredi, le 10. Puis, comme on le dit pas mal d'avance, comme vous étiez plusieurs à me le dire, t'sais, le monde va prendre congé s'ils ont à prendre congé. Donc, c'est le vendredi, le 10 juillet. J'ai vraiment hâte. On a déjà choisi un peu la nourriture, mais dans le fond, c'était comme pour nous... pour faire comme un budget, voir combien ça allait donner. On choisissait comme certaines choses. Comme on a mis qu'il va avoir un bar à bonbons à la soirée. Puis aussi le bar à poutine minuit quand Denis voulait. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eux, ils offrent, dans le fond, c'est une soirée par mois. C'est les jeudis, que c'est dans le fond 5-6 services. Puis dans le fond, c'est juste des mariés qui vont là, supposons les mariés qui ont réservé. Puis tu choisis comme ton repas, des entrées, des trucs de cocktail, puis tout ça. Puis comme ça, ça te permet de goûter à plusieurs choses, puis de savoir qu'est-ce que toi t'aimes mieux pour ton mariage. Comme supposons moi puis Anthony, on pourra prendre un plat principal différent, on va tout prendre différent comme pour tout goûter, voir qu'est-ce qu'on va prendre. C'est sûr que pour goûter, pour on a fait affaire avec eux aussi pour le gâteau, parce qu'il faut en faire avec une pâtissière, c'est moins compliqué comme ça. Puis elle faisait vraiment des beaux gâteaux, puis fait que ça, j'ai comme déjà le montant que ça me coûte, mais c'est comme un montant fixe, là, pas mal là. Sauf si on rajoute comme full de détails. Mais ça, c'est gratuit d'aller goûter à toutes les sortes, genre, et tout, là. Mais c'est vraiment le fun à faire de la soirée. Surtout que c'est comme avec plein d'autres mariés. Puis en tout cas, c'est le fun. On va faire ça, c'est sûr. Mais on va y aller peut-être vers janvier, là. Pas tout de suite.
Puis, c'est ça. C'est pas mal ça. Parce que d'ici là, on va être pas mal occupé. Fait que la date est réservée. Je suis trop contente. C'est officiel. Officiel, officiel, officiel. Ouais. Puis, c'est pas mal ça, là. On a déjà donné un dépôt pour le mariage. Puis, c'était trop beau, sérieux, la place. Genre, je capotais pour les photos, là. Ça va être vraiment magnifique. Puis, moi, c'était comme un des points les plus importants. C'était ça, là. Fait que, en tout cas, j'ai plus de batterie. Alors, je vais recharger ma batterie. Puis, je vais aller dans ma douche. Fait que là, on va se coucher. Mm-hmm. Moi, je suis fatiguée. Il est environ 3h du matin. C'est pas vrai. Il est genre 2h10. C'est tard pareil. Puis, c'est où est-ce qu'on va charger le bizarre? C'est parce que j'ai un appareil de rétention. Moi tout à fait. Puis, Anthony, comment t'as trouvé la salle? J'aime la salle, mais j'aime pas le centre de table. C'était comme. Mais là, c'est pas notre centre de table, non? Non, mais comme la décoration, je l'aimais pas. Pourquoi? Parce que tout était en arbre. Moi, je trouvais ça beau. Ouais. Ouais. Moi, j'aime pas les arbres. Ça laisse tout le temps le tour. Puis là, je sais pas si je l'ai dit, mais. Les feuilles mortes tombent dessus, et puis là, je suis obligée de t'enlever les feuilles mortes. De t'enlever les feuilles mortes? De quoi tu parles? Sur le tour. Quoi, sur la rue là-bas, il y a des arbres, puis ça fait juste tomber. Mm. Quand puis, il pleut, c'est comme. Ça fait des taches sur l'auto. Base. Là, je dois aller laver l'auto. Ouais. J'aime pas les arbres. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai les cheveux en tenir poussés. Mm-hmm. Là, ils sont tout mouillés. Mais c'est fou. Vous savez, il y avait une séparation, là? Ouais, t'es apparent encore un peu. Ah. Mais comme tu vois, les doubles, parce que ça c'est la vraie, ça c'est la fausse. Puis la fausse s'est rendue plus longue que la vraie. C'est drôle. Fait que. C'est quoi j'allais dire? Ah oui, on a pris le DJ déjà. Le gâteau. DJ gâteau. Reste plus grand chose. Ouais. Tu veux dire quelque chose, Anthony? Bonne nuit. Demain, vas-tu manger des sushis? Peut-être. 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 Moi, je vais juste dormir. Oh. Bonne nuit. C'est bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi tu es toujours... Je t'aime.